Bonjour à tous, on est sur la page de dermatonet.com consacrée aux condylomes. Alors, qu'est-ce que c'est les condylomes? En fait, en un mot, ce sont des verrues qu'on observe sur le plan génital. Les condylomes sont liés à des virus qui s'appellent les papillomavirus. J'ai fait une vidéo sur le sujet, qui sont donc des virus à ADN et qui sont responsables sur la peau des verrues. Sur le plan gynécologique et sur le plan urologique chez les hommes, les verrues donc génitales sont liées à deux grands types de papillomavirus. Premièrement, ceux qui sont à faible risque de cancer du col, donc 6, 11, 42, 43, 44, etc. Alors, quand je dis cancer du col, c'est le cancer le plus fréquent lié au papillomavirus, mais on observe aussi des cancers de la vulve, de l'anus, du pénis, plus rarement liés au virus, donc ceux qui sont à faible risque et ceux qui sont à haut risque. Et ce sont ces virus notamment que visent les vaccins contre le papillomavirus qu'on propose dorénavant aux enfants de 11 ans, garçons et filles. Donc, les papillomavirus peuvent être responsables de cancer du col, mais c'est l'objet d'une autre vidéo. Et surtout, ici, on est là pour parler des condylomes ou verrues génitales. Donc, le condylome est considéré comme une maladie sexuellement transmissible. Donc, on fait devant l'apparition de condylome un bilan de maladie sexuellement transmissible avec un examen et des sérologies, puisqu'il s'attrape généralement au décours d'un contact sexuel. Il faut savoir que les préliminaires sans préservatif peuvent être pourvoyeurs de condylome et de papillomavirus, donc il faut être extrêmement prudent. Et je fais une petite parenthèse, mais le sexe oral donc fait partie de ces conduites à risque et notamment expose au risque de cancer de la gorge, notamment de l'amygdale et de la base de la langue chez des gens de plus en plus jeunes à cause du portage du papillomavirus. Vous pourrez voir ça dans la vidéo que je lui ai consacrée. On va rester sur les choses plutôt bénignes, donc qui sont les verrues génitales. Le médecin en fait utilise souvent un test pour le dépister, qui est un test à l'acide acétique. Hein. L'acide acétique, c'est tout simplement ce qu'il y a dans le vinaigre blanc. Alors attention, ne vous mettez pas du vinaigre blanc sur les organes génitaux. Le médecin utilise un vinaigre blanc dilué et préparé par un pharmacien. Vous risquez de vous brûler. Puis, de toute façon, vous verrez pas grand-chose. C'est un test indolore quand il est fait par le médecin. Et donc, il va repérer des anomalies au niveau de la muqueuse qui porte donc ces verrues ou ces condylomes. Une chose aussi, en cas de relation sexuelle à risque, la présence de condylomes chez un partenaire, il faut toujours consulter un médecin pour être sûr de ne pas s'être contaminé. Donc, deux grands types de condylomes, les condylomes acuminés, donc qui s'appelaient avant végétation vénérienne, qui sont un peu comme des petites verrues, qui ont aussi l'appellation crête de coq, donc qui apparaissent sur la vulve, le pénis, la marge de l'anus, etc. Ils ont une coloration plutôt rosée ou blanche, et ils ressemblent parfois un peu à des petits grains de riz ou des mini choux-fleurs. Une forme un peu particulière, les condylomes papuleux, qui ressemblent aux verrues planes qu'on voit sur la peau et qui ont une couleur plutôt rosée ou généralement un peu marron, un peu brune. Et ce type de condylomes papuleux peuvent devenir assez profuses. C'est ce qui s'appelle la papulose bovinoïde. Dernier type de condylome, les condylomes plans. Donc, ce sont des lésions qui sont généralement invisibles à l'œil nu, et c'est ce qu'on repère avec l'acide acétique lors de l'examen médical. Ils peuvent coloniser donc l'ensemble des muqueuses anogénitales et être pourvoyeur, notamment en cas d'infection par HPV 16 et 18, par papillomavirus 16 et 18, de cancer du col notamment. Alors voilà des images de condylomes, hein, vous voyez ces petites lésions
qu'on observe ici sur la marge de l'anus. Les condylomes peuvent toucher donc évidemment l'homme comme la femme, hein, un peu partout. Ça peut aller jusque dans l'orifice urinaire chez l'homme. Vous voyez, ça peut prendre cette allure de petite lésion. Et le médecin donc peut aussi s'aider de ce qu'on appelle la dermatoscopie, qui est une espèce de loupe auto-éclairée qui permet de voir la structure de la, des couches un peu plus profondes de la peau, un peu plus profonde que ce qu'on voit à l'œil nu. Et l'allure donc est souvent de vaisseaux monomorphes en points et de vaisseaux en épingle à cheveux sur une zone sans structure couleur chair. Le traitement des condylomes est effectué pour surtout limiter le risque de contamination entre partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les condylomes sont des lésions qui grouillent de virus, entre guillemets, et qui donc sont très contaminante. Le traitement n'a malheureusement pas pour but d'éliminer le virus. On ne peut pas éliminer le virus. Alors heureusement, il s'élimine souvent seul. On estime qu'environ 80% des verrues régressent spontanément que c'est à peu près le même taux pour les condylomes. Mais il y a quand même ce risque de cancer du col, notamment en cas d'atteinte par les condylomes à haut risque, par les papillomavirus à haut risque. Donc il faut absolument se traiter et éviter de contaminer ses partenaires. Donc on traite du coup les lésions visibles mais pas le virus. Et on fait pour ça donc un examen assez complet pour essayer de ne pas laisser passer de lésions visibles. Un examen du col et de l'urètre du col de l'utérus chez la femme, de l'urètre chez l'homme et un examen du canal anal à la recherche de lésions au niveau anal. Les traitements sont des traitements qui consistent le plus souvent à brûler les condylomes avec des traitements par azote ou cryothérapie, voire électrocoagulation. On peut aussi opérer. Et on peut parfois traiter avec des produits à base de crème qui s'appellent notamment l'imiquimod ou la podophyllotoxine. Les conseils en cas de condylome, donc si une femme présente des condylomes, il est important de chercher une autre MST. Il faut, dès qu'on vous annonce le diagnostic de condylome dans un couple, utiliser le préservatif, ça c'est extrêmement important pour éviter les recontaminations. Et avoir des condylomes, ça c'est important aussi, ne signifie pas systématiquement qu'on a été trompé. C'est-à-dire que le virus peut dormir chez un individu porteur sain pendant des années et se mettre à s'exprimer sous le coup d'un problème général, d'une maladie intercurrente, même d'une simple grippe, d'une grosse fatigue, ou comme ça sans raison. Et donc, quand on voit arriver un couple avec l'un des deux partenaires qui a des condylomes, très souvent, effectivement, il y a beaucoup de tensions dans le couple et des doutes vis-à-vis d'une éventuelle tromperie par la personne qui exprime les papillomavirus. En fait, rien ne prouve que cette personne a trompé son partenaire, puisqu'elle pouvait être porteuse depuis des années de ce papillomavirus sans l'exprimer. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce en l'air et à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu.